Vous sentez la course? C'est une course comme les autres, mais c'est une course spéciale. Fabien Cancellara, en tous les cas, on le sent très très ému, bien évidemment. Fabien Cancellara, concentré évidemment avant tout, hein. C'est un sportif, c'est un champion, il ambitionne d'aller chercher une quatrième victoire tout à l'heure, il la rejoindrait ainsi dans le club très fermé des vainqueurs 4 étoiles, Roger de Vlaminck et Tom Bonnen, deux autres légendes, et l'un des derniers coureurs à venir signer dans un instant, et oui parce qu'il ne reste plus que 7 attendus à la signature, n'est autre que le champion de Belgique, il représente les couleurs de l'équipe Top Sport Landeron Baloise, on peut l'applaudir, c'est Preben Van Eck qui est avec nous ce matin à Compiègne pour rejoindre Roubaix tout à l'heure sur les coups de 17h. Les coureurs de l'équipe Lotto Jumbo également à la signature. Lotto Jumbo avec notamment Martin Cialinghi qui nous a rejoint. Puis on attend le dernier leader. Et oui, il était sur le podium du Tour des Flandres la semaine passée. C'est un spécialiste de classique flandrienne. Allez, il monte les escaliers maintenant et on l'encourage comme il se doit, Sepp van Marck. Allez, on a quasiment fini, bien évidemment, avec Tom Van Asbroek, la signature des coureurs. Il n'en reste plus que deux à faire passer. Un représentant de l'équipe Katusha, un représentant de la formation Lotto Soudal, et non des moindres, il va nous rejoindre d'ici quelques instants. Il porte encore les stigmates, mon cher Damien Martin, de sa chute intervenue il y a quelques jours seulement. Il était incertain pendant longtemps. Il a finalement décidé quand même de prendre le départ de Paris-Roubaix. Voilà, talent du cyclisme mondial. Il s'était révélé sur la ronde de Lizard dans les Pyrénées. C'est aussi un spécialiste des classiques flandriennes. On l'applaudit, Thijs Benoît. Pour la formation Lotto Soudal, vous allez également rejoindre Eric de Valroger, adjoint à la municipalité de Compiègne. Eric de Valroger qui donnera le départ dans quelques minutes. Roubaix, l'enfer du Nord mène au paradis et ça se passe dans quelques secondes sur les pavés de Compiègne tout d'abord. Et ensuite, on partira pour 98 km avant d'attaquer le premier secteur pavé à proprement parler. Les choses sont en place. Je me positionne aux côtés de Thierry Gouvenou pour avoir les indications précises quant au décompte officiel. Mesdames et messieurs, tous ensemble, décomptons ensemble Compiègne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Monsieur Éric de Valroger, adjoint aux affaires culturelles de la ville de Compiègne, abaisse le drapeau du top départ et c'est parti pour la 114e édition de Paris-Roubaix. 199 coureurs. Prennent le départ fictif, le départ réel dans quelques kilomètres à la sortie de la ville de Compiègne avec toutes ces interrogations. Tom Bonnel peut-il gagner un cinquième titre? Fabien Cancellara va-t-il rejoindre le club select des quadruples vainqueurs? Peter Sagan peut-il devenir le 11e coureur de l'histoire à gagner le Tour des Flandres et Paris-Roubaix la même année? Peter Sagan peut-il devenir le premier champion du monde à gagner Paris-Roubaix depuis Bernard Hinault? Alexander Christophe peut-il devenir le 12e coureur à remporter Milan-San Remo, le Tour des Flandres?